العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا إلا العلم، وعلم نبينا صلى الله عليه وسلم هو سنته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Le noble cheikh, le grand savant Salih Al-Fawzan nous dit: الإنسان يريد الصحة ولا يريد المرض، ولكن الله لا يريد له الصحة دائما، يريد له أن يربيه وأن يطهره وأن يمحصه ويخلصه من هذه الدنيا، حتى يخرج بعض المؤمنين يخرج من الدنيا وليس عليه ذنب وليس عليه خطيئة، لأن الله طهره بهذه المصائب وهذه الأمراض. حتى ورد أن بعض السلف، وأظنه الإمام أحمد رحمه الله، كان في سكرات الموت فضحك وهو في هذه الحالة، ضحك، سألوه عن ذلك لما أفاق، قال: سمعت قائلا يقول: شددوا عليه فقد بقيت عليه سيئة، شددوا عليه فقد بقيت عليه سيئة. ففرح بذلك وضحك سرورا بنعمة الله عز وجل. L'être humain voudrait en vérité constamment être en bonne santé. Il voudrait être préservé des maladies. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala ne souhaite pas cela pour l'être humain. Ce n'est pas ce qu'Allah veut pour l'être humain, qu'il soit en bonne santé constamment. Allah, qu'il soit glorifié et exalté, ce qu'il veut pour l'être humain, c'est l'éduquer, le purifier, le débarrasser de ses fautes, de ses péchés, le débarrasser des souillures de cette vie d'ici-bas, afin que cet être humain, eh bien, il meure purifié de tout péché. Et certains, parmi les croyants, parfois, ils quittent cette vie d'ici-bas purifié de tout péché, débarrassé de toute faute, de toute erreur. Car ces épreuves, ces difficultés, ces afflictions, ces maladies qui touchent, qui frappent les serviteurs d'Allah, eh bien, elles ont pour fonction de purifier les serviteurs de leurs péchés, de les débarrasser des souillures de leurs erreurs, de les purifier. Et il est rapporté que certains parmi les pieux prédécesseurs, et notamment l'imam Ahmed, le grand savant, imam al-Sunnah, le grand savant de la tradition prophétique, l'imam Ahmed, grand rapporteur de hadith, alors qu'il était à l'agonie, alors qu'il était dans les affres de la mort, et les personnes, lorsqu'elles agonisent, eh bien, elles transpirent, elles s'évanouissent, elles perdent leurs esprits, etc. C'est un moment difficile. Wa nasalullaha husna al-khatima. Eh bien, alors qu'il était dans cette situation, l'imam Ahmed Ibn Hanbal, rahimahullah, s'est mis à rire. Il s'est mis à rire. Et lorsqu'il a retrouvé ses esprits, lorsqu'il est sorti de son évanouissement, les gens qui étaient autour de lui et qui assistaient à son trépas, à son agonie, lui ont dit:
Mais pourquoi ris-tu? Pourquoi ris-tu? Dans le sens, alors que tu es en train de mourir, que c'est difficile, car les affres de la mort sont dures. Wa nas'alullaha husna al-khatima. Et on demande à Allah de nous accorder à nous tous ainsi qu'à nos proches une bonne fin. Ils lui ont dit, mais pourquoi ris-tu? Il a répondu, parce qu'alors que j'étais évanoui, j'ai entendu une voix dire, soyez dur avec lui, car il lui reste encore un péché. Soyez dur avec lui, car il lui reste encore un péché. C'est-à-dire que l'imam Ahmed, eh bien, ses épreuves l'avaient purifié de toutes ses fautes, de toutes ses erreurs, sauf une. Aussi, ce grand bienfait d'Allah l'a rendu heureux, le fait qu'il soit purifié de ses péchés, et c'est pour cela qu'il s'est mis à rire. Et c'est pour cela qu'il s'est mis à rire. Et par ailleurs, son fils, Abdullah ibn Ahmed, a dit, j'ai assisté à la mort de mon père. J'étais assis auprès de lui, tenant un torchon dans la main, afin de lui tenir les mâchoires. Il transpirait tellement que l'on croyait que ça y est, qu'il allait mourir à l'instant. Mais il se réveillait et il disait « La ba'd, non pas encore, non pas encore. » Et il fit cela une fois, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Alors, Abdullah ibn Ahmed, le fils de l'imam Ahmed, lui a dit, « Oh mon père, quels sont donc les propos que tu disais il y a quelques instants? Quels sont les propos que tu disais il y a quelques instants ?» Alors l'imam Ahmed lui a dit, « Oh mon fils, ne sais-tu pas ?» Et Abdullah ibn Ahmed lui a dit, « Non. » Il lui dit alors, « C'était al-shaytan, Satan, la'natullah alayhi. » Qu'Allah le maudisse, il se tenait près de moi en se mordant le bout des doigts et il disait, « Oh Ahmed, tu m'as échappé. Oh Ahmed, tu m'as échappé. » C'est-à-dire, « Oh Ahmed, je n'ai pas réussi à te détourner de la voie droite. Je n'ai pas réussi à faire que tu fasses partie des gens de l'enfer avec moi. » Alors l'imam Ahmed lui a répondu, à chaque fois, non pas encore, jusqu'à ce que je meure. Non pas encore, jusqu'à ce que je meure. Je ne t'ai pas encore échappé, ô shaytan. Tant que je ne serai pas mort, je suis encore à la merci de tomber dans tes ruses et dans tes pièges. Et ce récit a été rapporté par l'imam al-Bayhaqi, de même que l'imam ibn al-Jawzi, et de même que l'imam al-Zahabi, rahimahumullah. Et il y a ici, pour nous, pauvres serviteurs d'Allah, pécheurs et fautifs, des leçons à tirer et à méditer. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.